Hello everybody! Alors, bien. Vous allez bien, là, tout le monde? Comment ça va, la team? Très bien. J'espère que vous allez vraiment bien. Vous avez vu, il fait quand même moins chaud, hein? C'est quand même plus agréable en ce moment. Bah là, j'ai chaud, moi, parce que tout est fermé chez moi, parce que il faisait vraiment. Il faisait froid. Très froid tout à l'heure quand. C'est quoi ça? Donc, ouais, j'ai vu un petit message de Cynthia, trop heureuse pour moi. Merci Cynthia, tu vois cette vidéo-là, je viens de voir ton commentaire en même temps que je fais ma vidéo. Et ouais, je travaille tard. Et ouais, je fais des vidéos très tard. Donc, là, alors. Donc, on va faire le petit sujet. Mais avant, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous passez des bons moments quand vous venez sur ma chaîne? Est-ce que ça va? Bon, excusez-moi pendant les petits moments. Il y a eu des petits jours où c'était pas la grande forme. Mais comme vous savez, hein, le rendez-vous s'approchait, hein. Mais bon, c'est vous là. C'est à vous que là, que je dois changer les idées, que je dois faire passer le temps, que je dois distraire. C'est vous, c'est pas moi. C'est pas moi, mais l'audience est quand même, malgré tout, à faire les vidéos, ça m'a quand même aidé. Et surtout, j'ai reçu des petits commentaires super gentils. Donc, toujours des petits coucous avec toujours un petit mot gentil quand je suis pas. Parce que là, des fois, mes vidéos, comme les vidéos sont faites des fois 2 jours, 3 jours avant que je vous les pose, donc du coup, j'ai pas le même mood qu'au moment que je passe. Donc dans la vidéo, vous voyez mon mood d'il y a 3-4 jours. Donc vous pensez que c'est sur le jour. Mais non, parce que je fais pas de vidéo au jour le jour. Ça serait bien que j'arriverais à vous faire la vidéo le matin et quand j'ai envie de vous la poster. Mais le problème, c'est que je prépare mes vidéos parce que je peux pas. Dès que j'ai envie de faire une vidéo, bah je peux pas la faire parce que bah, j'ai mes bébés et. Je suis donc je fais mes vidéos que le soir, donc c'est pour ça que je suis pas dans le même moule. Alors donc, du coup je suis contente parce que j'essaye de vous mettre des vidéos quand je vous fais des story time, vous les mettez aussitôt, donc je vous les mets le lendemain ou si je les fais de bonne heure ou dans la nuit si je ne les ai rien posté, hop je vous les mets dans la nuit. Maintenant qu'il y a les montages, bah, je vous les mets plus le lendemain parce que bah je les fais dans mon lit et du coup pendant que je dors la vidéo se convertit et bah le matin ou quand je me lève, dès que je me lève, bah, au moins elle est prête, j'ai plus qu'à vous la poster. Donc voilà, donc j'essaye de me débrouiller pour essayer d'éviter que ça soit trop long. Mais j'étais bien. Hein. Des fois, j'avais qu'une journée de décalage et tout ça. Donc ça allait. Mais là, c'est vrai. Et puis bon, c'est pareil. Hein, c'est les petits soucis que j'ai eus. Hein. Donc tout ça va peut-être rentrer dans l'ordre. Hein. Alors, donc on est là pour faire le petit sujet. Toujours la même chose hein, du combat Boubarov. Hein. Là, on va reparler de tout parce que comme ça fait un moment que j'ai vu que Booba avait laissé pas mal de petits audios par-ci par-là, j'ai dit tiens, presque tous les jours, là en 3 jours, un audio presque par jour. J'ai dit je vais pas vous faire une vidéo pour chaque petit audio, je vais tous les réunir. J'ai pris quelques tweets sur son, comment dire, sur son compte Insta. J'ai été prendre quelques tweets aussi sur le compte de Fico, oui. Donc je prends ça quelques-uns quand vraiment que quand j'en ai vraiment besoin. Si je pourrais faire autrement, ça serait cool. Et je voudrais bien, parce que j'aime pas prendre le travail des autres, j'aime pas ça. Et autrement, mes vidéos sont pas assez construite. Alors du coup comme j'ai pas de Twitter et puis j'ai pas envie de remettre Twitter exprès pour ça, j'ai pas envie, voilà. Donc et puis je sais même pas me servir de Twitter, c'est pour vous dire. Donc alors bon, bref, donc là on va parler des petits Booba hein, qui est toujours en train de réclamer le combat. Rof, bon bah n'a toujours, pour l'instant n'a toujours pas trop cédé. Bah moi, au moment que je vous fais la vidéo, j'ai pas été checker le reste s'il y a eu sa réponse ou quoi. J'ai pas été voir. J'étais sur les comptes. J'ai vu un des derniers audios de Booba où qui dit que bah s'il y a pas de réponse là, bah il y a plus de combat.
J'espère que je l'ai ou que j'aurais laissé encore sur le portable. Mais de toute façon, je vais déjà vous faire les petites audios là. Donc, on va commencer par mettre un petit tweet. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? On va mettre un petit tweet. Donc, alors je vais vous mettre, c'est là. Alors, c'est ici. Arrête tes gamineries. Alors, c'est Rof. Hein. Arrête tes gaminis 2 secondes. Tu chouines que tu dois payer tes entraîneurs, tes préparateurs, etc. Et tes parterres. T'as besoin de cet argent? T'as dit 50 millions minimum, comme si c'était My Water ou McGregor. Bon, accepte si tu me bats, jackpot pour toi et la honte pour moi. Alors, il y a un autre pour Booba. Tu délires, Booba. Rof t'a proposé la meilleure alternative donne. Organisation par un tiers, comme tu l'avais demandé. Et surtout, que le gagnant empoche toute la mise, comme dans les vrais combats de rue. Accepte ou refuse formellement, mais arrête de tout tourner en dérision. Bah, c'est ça, moi, je vous disais d'un moment dans une de mes vidéos, je vous avais parlé que je vous disais, normalement, dans un combat, c'est le gagnant qui gagne tout, normalement. Et puis là, je dis, bah, je comprenais pas, parce que 50-50, alors je dis, bah, il va gagner la part si c'est 50-50 et qu'il partage, comme je vous disais, lui, il va payer 50, Booba, sa moitié, qui va payer, gagner pour lui ce qu'il a fait, de toute façon, le combat. Et puis, bah, comme je disais, Rof, s'il veut pas, bah, il donne tout aux associations et tout ça. Mais non, Rof veut rien lui faire gagner comme thune. Donc, on va remettre un deuxième petit tweet. Donc là, alors c'est une photo de Caris, Rof et La Fouine. Parce qu'il a demandé à La Fouine si il voulait combattre avec lui. Pour l'instant, j'ai pas vu que La Fouine avait répondu. Donc, alors je vais lire le petit truc. Il en restera qu'un. Caris, Rof, La Fouine, Booba, la bagarre. Laissez Émile en paix, vous aussi. C'est Booba, bien sûr. Donc, alors là, un autre, c'est Rof encore. T'emporte pas, maîtrise ta com. On n'est qu'au stade des négoces. On va y arriver, le ring. J'accepte gratuit. Tu veux l'argent? J'accepte. Structure 50-50, je veux pas. Une tierce personne qui organise? Superbe idée. La totalité pour le vainqueur, je vote. T'es sûr de toi? Accepte. Bon, il veut vraiment me démonter, en fait, quoi? C'est un montage de Rof. Alors, toujours Rof. Il n'existe aucun contrat de boxe qui se plie en quelques jours. Des fois, un an à proposer, un tiers, sachant qu'on allait être en désaccord. Puis tu t'es rétracté et parles 50-50. Je veux toujours aider les enfants malades. Personne n'est fatigué. Accepte. On met tapis. N'esquive pas. Courage. Alors, Rof, ferme-la. T'es fatigué. Tout le monde. Ferme-la. T'as fatigué tout le monde. Hier, c'était Dieu est grand. On se croisera. Avant, c'était viens demain. Je te paye les billets. En first. Tu veux plus aider les enfants. Non, c'est Booba qui a envoyé ça à. Arof. Alors, j'ai trouvé le meilleur compromis. Alors, Booba, bon, ça, il aurait pu s'abstenir, hein? Va, ta mère. Parce que pareil, je voulais vous mettre une petite vidéo, mais je ne vais pas vous la mettre. Bon, ben voilà. Alors, je vous dis celle-là et après, on va mettre une petite vidéo de Booba. Alors, Rob, j'ai trouvé le compromis, la meilleure solution. Étant donné que je ne veux pas te faire gagner d'argent, on reste sur la première idée. Du tiers qui va proposer un contrat, qui va signer, et que le gagnant empoche tous les gains. Zéro pour le perdant. Accepte si tu es sûr de toi. Bon, bien sûr, il n'est pas trop d'accord, Booba, parce que. Bah, il va payer son entraîneur, il va payer ci, et puis bah c'est pareil, comment dire, Rof aussi, il a bien dépensé des sous aussi, donc je vois pas pourquoi
qui se bat pour une bonne fois pour toutes, et puis voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus qu'ils arrêtent de chipoter de chaque côté. Là, Rof avait fait, pas Rof, mais Booba a fait une big proposition. Lui, il a chouiné pour l'argent. Qui refuse de faire des combats avec de l'argent? Qui refuse de faire des combats avec l'argent? Même il y en a qui, avec leurs pires ennemis, ils acceptent les combats sur le ring avec leurs pires ennemis. Alors, faut arrêter de dire la rue, la street, la street, la street, ces combats sur le ring. Et puis rien. Mais il y en a aussi, j'entends des petites rumeurs qui disent aussi qu'en fin de compte, tous les deux, c'est du pipeau et ça serait pour faire la promo, pour remplir leur date, là, le Stade de France et Rof avec sa tournée. Eh ouais, mais qui dit, hein? Ils se disent qu'ils sont la gueule comme ça, et puis ça se trouve, ils sont poète poète à carouette, hein? Hé. Allez, je vous mets petite vidéo, mais bien sûr, avant que je te mette la petite vidéo, je vais mettre la première, parce que j'en ai plusieurs, avant que je te mette la petite vidéo. Qu'est-ce que tu fais, toi, qui es toujours pas abonné, qui viens toujours sur ma chaîne? Tente ta chance, abonne-toi. Et puis, bah, si tu vois, parce que si tu viens à chaque fois regarder les vidéos, c'est quand même un minimum, ça t'intéresse. Donc, abonne-toi, et puis, bah, fais comme les autres. Une fois que t'es déçu, bah, tu t'en vas. Puis, c'est tout. Et puis, tu reviens une fois qu'il y a une vidéo qui te plaît. Et puis, tu te renvoies après. Allez, non, allez, abonnez-vous, parce que je vous dis, je suis toujours à la demande des 1000 abonnés, hein, parce que, en une journée, en 2 jours, hein, là, des fois, ça peut se faire, hein. Je vois plein de youtubeurs, qui viennent commencer, et puis qu'ont des 1000 en une journée, des 1000, 2000, 3000 abonnés en une journée. Pourquoi ça se ferait pas là, pour une fois? Mais c'est qu'en fin de compte, non, vous voulez pas aider les gens, et ben, ceux qui veulent bien aider, et ben, venez dans la team, venez aider pour mon projet d'animaux. Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est juste pour m'aider, mes animaux et moi-même. Et si vous voulez pas me croire, restez sur cette vidéo, regardez les vidéos, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des animaux qui se promènent, qui... et vous verrez bien que ici, les animaux sont les rois, et que ce n'est pas du fake. Et puis, bien sûr, si tu veux pas, like, ça aide aussi. Si tu veux pas t'abonner, like pour aider la chaîne, hein. Alors, c'est bon? C'est bon? Allez, on y va, on met le premier petit audio de Booba. Et puis il y en a qui me dit, oui, je suis plus du côté de Booba. Je me dis, bah non, désolé, je suis sur le compte à Booba, je vais sur le compte à Rof. Rof, il met que des trucs sur Twitter. Eh ben moi, je n'ai pas Twitter. Booba met des trucs sur Instagram. Eh ben j'ai Instagram. Eh ben voilà, voilà pourquoi je mets plus de ce que Rof Booba sort. Et je mets même des trucs de Rof parce que je vais prendre ça sur Fico. Merci. Allez, on met le petit audio. Alors, le premier, ouais, on va mettre celui-là. Bah, vous ne verrez pas, vous aurez juste une photo. Vous aurez juste une photo. Parce que du coup, on ne voit pas, il est dans le noir. Allez, on va mettre ça. Attendez. Hop, hop. Tac, c'est parti. Frérot, j'arrête pas de penser au combat, frérot. N'endors plus, n'endors plus. J'arrête pas de faire des calculs. S'il y a des amis à Rof, parlez-lui. Parlez-lui. Il y On va pas dire qu'il veut des pas quand millions à même. faire. On va pas dire qu'il veut pas, Bouba, quand même. Pay-per-view. Juste le pay-per-view. Juste le pay-per-view. Allez, 5 millions qui regardent. Entre la France, Il n'y aura peut-être pas Maghreb, autant de monde qui Afrique noire, pense, hein, peut-être pas. Italie, Suisse, Allemagne, Israël. Les expatriés, Réunion, Maurice, Canada. Si, vous mettrez la vidéo si on voit sa tête par moment. Vas-y, frérot. Vas-y, si, à 5 millions. À 5 millions, c'est like. 20 euros. Sachant que UFC, je crois, c'est 29. Allez, 20 euros. Et à 5 millions, ça fait 100 barres. Frérot, si vous êtes des proches de Rof, dites-lui qu'il laisse son ego de côté et vient me battre. Personne va venir se battre gratuit. Viens me battre. C'est logique. Il y a des millions à faire pour son frère, pour ce. Si vous êtes des proches à lui, dites-lui, traînez-le, le mec. Parce que là, je suis en RS6 avec. RS6 avec Omar, on est désespérés, on monte sur une HSBC, t'as capté ou pas? On monte sur une HS direct. Beau petit bruit, hein? Mon petit bruit, hein? C'est un beau petit bruit, hein? Franchement, ouais, c'est un bon petit bruit.
Donc, il veut vraiment, hein? Il insiste, il veut le combat, il veut le combat. De toute façon, les deux côtés font croire qu'ils veulent le combat, parce que quand on les entend là, t'as l'impression qu'il veut, c'est vraiment, vraiment. Mais pour à chaque fois ça, un coup ça va pas, un coup là, un coup c'est comme si, un coup c'est ça, un coup l'autre dit oui, après l'autre rajoute un truc, après l'autre non il veut pas parce qu'il veut pas donner de thunes, après l'autre il veut parce qu'il va dépenser des thunes et tout ça. Pour l'instant, c'est vraiment pas encore qui est-ce qui va vraiment avoir lieu ce combat-là, hein? Parce que tous les deux acceptent, mais ils sont pas d'accord avec leurs conditions. Mais il aurait, franchement, Orof aurait accepté au début. Je vois pas où qu'il y aurait eu le souci. Mais c'est bon, c'est qu'il a accepté, mais sans ci, sans ça, sans ça, sans ça. Donc fallait bien d'accord que fallait bien se douter que Bouba, il allait pas être d'accord que c'est que ça. Attends, c'est bien que s'il va à la rue, c'est bien que Bouba, il risquerait de pas venir tout seul. Je suis désolée, mais dans toutes les affaires que j'ai lues, c'est pas un petit mignon, Rof. Bouba, c'est peut-être aussi un au niveau Magali Berda, il a été harceleur en lançant ses troupes dessus. Je suis d'accord aussi, hein. Mais pour l'instant, donc là, je vais vous remettre un deuxième audio. Non, j'ai regardé encore un commentaire de Cynthia. Coucou Cynthia! Bisous, bisous! Et donc, là, je vais vous faire écouter. Alors, c'était quel l'autre? C'était celui-là. Il y en a un que je voulais vous mettre, mais franchement, je ne veux pas vous le mettre parce que comment il a, oh mince, comment il insulte la mère de Rof, c'est pas intelligent du tout. Si j'aurais réussi à vous mettre des bip, 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 je vous l'aurais mis pour que vous voyez. C'est ça que je comprends pas, moi. Comment, pourquoi il se, comment dire? Comment je vous ai dit la dernière fois? Il s'éparpille. Pourquoi il s'éparpille toujours partout? Parce que là, il attaque quand même. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont en train de. Vous savez? En train d'essayer de le chercher pour le combat, pour qu'il laisse un peu tomber l'autre combat des influenceurs. Il y en a beaucoup qui disent que ça se trouve, Rof serait de mèche avec Magali Berda. Et s'amuserait à faire. D'invoquer à chaque fois des histoires, comme ça, Booba se met que dans le combat et oublie un peu son autre combat. Mais le problème, c'est qu'il n'oublie pas. Il n'oublie pas l'autre combat. Et heureusement, parce que franchement, moi je le suis pour le combat des influenceurs, je ne le suis pas pour son combat de boxe, je le suis pour le combat des influenceurs. Et comme ça, c'est un gros sujet qui passe et d'actu. Et comme je suis une chaîne qui vous relaye toute l'actu quand je peux, eh ben ça fait partie. Et voilà! Donc je vous remets un autre de Booba. Alors on va mettre, ça doit être celui-là le dernier. Oh là 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 là! Moi, si je le fais, je prends 50 millions facile. 5 millions pour 20 minutes avec des règles, des gants, un protège-dents, un médecin, une ambulance. Et tu dis non tout de suite. Quelle insulte à la street quand on se dit de la street. Quand on a une famille, des amis, des proches à nourrir. Même si l'argent, c'est pas pour toi, frérot. T'as un Ouais, entourage, t'as il dit pas des non, il familles. dit de l'argent. Bref. On dit pas non à l'argent. Hein. Moi, je l'ai pas entier. Oh, je l'ai pas entier celui-là. Bon, bah, c'est pas grave. Vous avez entendu un petit bout. Hein. Ouais, je pensais l'avoir en entier, mais non, mais non. Alors, on va remettre quelques petits tweets. Hein. Alors, le dernier que je vous avais mis. Voilà, c'est celui-là que j'avais mis. J'ai trouvé un compromis. Voilà. Salut ma poulette. Ça va mon bébiche? Ou mon bibiche? Tiens, viens.
Bon, oui, c'est à moi, ma beauté. Oui, c'est moi, ma beauté. Ah oui, ma beauté. Moi, tu peux rester là, ma beauté. Ma oui, ma petite beauté d'amour. Moi, tu peux rester là. Oh, oui. Oh, dis boboïti, ti. Moi, boy, boy, ti. Moi, boy, boy, ti. Excusez-moi, excusez-moi. Bébé, tu peux rester là, mon bébé. Donc, comme je vous disais, alors, on était au rendez-vous. Je vais vous mettre quelques petites tweets là. Alors, Boubarov, ferme. Bah, je crois que. Voilà. Ferme-la. T'as fatigué tout le monde. Hier, c'était Dieu est grand, on se croisera. Ouais, non, je vous l'ai lu celui-là. Ah ouais, voilà, c'est ça, voilà. Oui ou non? Tiers qui organise et tout pour le gagnant. Donc, plus besoin de structure 50-50, je sais pas quoi. On met tapis. C'est Rof qui doit avoir dit ça. J'ai trouvé le compromis le meilleur. Solution, étant donné que je veux pas. Ça, on l'a lu aussi. Ah, voilà. Bon, ben, on a perdu. Ellie, il préfère filmer des actrices. Parler de Gims et la fouine pour noyer le poisson après avoir boycotté les premières négoces. Imaginez quand on passera aux avocats. Il a déjà perdu dans sa tête. Doit rincer son coach top 5 mondial et faire 3 mois de diète. Changer les règles et esquiver, avouer que j'ai peur de Rof. N'importe quoi. Il se lance des pics à la tire-larigot là. Écoute-moi bien, gamin. C'est Booba à Rof. Écoute-moi bien, gamin. Vu que tu cherches à refuser tout en gardant la tête haute, voilà mes conditions. 50-50 sur tous les bénéfices via nos structures. Janvier-février 2023 en taille. Apprendre ou à laisser. Sinon, parle plus de combat. Et il y a un autre tweet, Booba. Si tu vas t'arrêter de faire le vaillant, sinon viens régler avec Demba 84 ou Issa Doumbia. T'es plus dans la rue. Tu commercialises dessus, tu vas te taper. Tu vas te taper vite. Donne le cash si tu veux pas l'avant, que ça ne dégénère pour toi. Et là, tu verras la rue, la vraie imbécile. Alors, est-ce que j'ai d'autres petits tweets? On va aller voir ça, si d'autres trucs. Au cas où que là, des fois, j'ai d'autres petits trucs. J'avais mis dans le 1. Ouais, j'ai des petits tweets de Booba. Excusez-moi, je regarde. Voilà, c'est screen. Voilà. Alors là, ça s'est pris ça sur le site à. Le truc à Booba. Alors, c'est des tweets de d'autres personnes hein, qui sont. Excuse-moi, de quoi c'est toi qui es en train de te dessus. Va te battre, gamin. Tu sais bien qu'il a un sursis, donc il pourra pas se battre dans la street. Arrête ton cinéma gigantesque tapette. Alors tout ça, c'est des réponses pour Rof. Hein. Ben, vous le voyez de toute façon. Alors, personne te croit. En vrai, c'est abusé. Tu cours derrière l'argent avec ta zik. Aujourd'hui, on te propose de gratter l'équivalent de 10 albums et tu fais ton bourge. T'as peur des coups? Tu t'es jamais fait par un grand? Ton daron ou ton ref petit, tu vas pas mourir, hein? Alors, il y en a. Ça y est, il y en a marre. Venez, on signale tous, ouais. Ça, c'est pas intelligent. Malgré qu'on me dit maman, mais on n'a pas besoin aux enfants, on machine pas les comptes des autres, ça sert à rien. Alors là, il y a une photo. Alors là, alors maintenant, il est après. Je crois que ça doit être après Gims. Tu m'étonnes qu'il peut pas enlever ses lunettes en public. Il a pas assumé son regard. Voilà. Ouais, parce qu'après. Alors il y a un autre tweet là.
Tu vas t'arrêter de faire le vaillant, sinon viens régler. Bah si, mais je vous l'ai lu tout à l'heure. Bon, écoute-moi bien, gamin. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Ah voilà. Je te propose un combat boxe time. Non, boxe anglaise. Ok, pour l'argent, on fait 50-50. Dieu est grand, on se croisera dans la rue. Je te fais pas gagner d'argent. Sans concession, sans sky, sans énergie, sans TF1, sans victoire de la musique, sans plier, sans soutien par le vôtre, je réalise même pas vraiment que je comprends qu'il essaye de nous détruire. Cette bonne guerre et c'est compréhensible. Merci tout droit. Alors, je sais pas, je vous le mets quand même, je crois que ça n'a rien à voir. Bon, ben voilà, je crois, je vais plus que vous mettre le dernier petit écouteur. Je reviens, je vais voir le petit truc, je reviens tout de suite. Quick, oui. Me v'là prêt pour remettre tout ça. Eh, si t'es toujours là et que t'es tout. Allez, vas-y, rejoins la team. Vite, rejoins la team. Vite, rejoins la team. Et like, clac. Allez, on y va. Allez, je vous remets le dernier audio que je vais vous mettre dans cette vidéo-là de Booba. Mais autrement, je vous ferai. Ben non, c'est pas le dernier, mais. C'est vrai que ça me fait rire parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Booba, ouais, personne n'aime Booba, c'était ci, c'était ça, là. Et Booba, il aime bien, mais mon bébé, je n'ai pas peur, mon bébé, il aime bien choper des petits bouts de retrouver des petits bouts. Bien sûr, on va dire que c'est plutôt sa team qui envoie des petits trucs par-ci, des petits trucs par-là et tout ça. Donc du coup, il refait joue, mais je vous mettrai à la fin un petit truc de Gims, vous allez voir, qu'il a mis. Tu es allé là, ma pichette? Bah oui, ma beauté, va. Bon, oui, mon bébé, t'étais bien là, mon bébé. Bah oui, la chaîne, elle est à vous, elle est pour vous. Alors, si vous ne vous faites pas voir, hein, bah oui, il faut vous faire voir les beautés des îles. Allez! Je vous remets Booba. Le gars croit que carrément je vais payer pour me battre. Genre, je vais perdre 3 mois de ma vie à m'entraîner, à payer mon coach. Il coûte cher. C'est un top 5 mondial, Pedro Diaz. T'en reviens au tweet que je vous ai dit tout à l'heure? Je vais me prendre des patates à l'entraînement, en sparring. Je vais suer. Je vais faire une diète. Et je vais pas gagner une thune. Moi, vous avez bien compris, c'est une manière de dire non, ça n'existe pas. Le gars, faut Logique, qu'il aille en logique. psychiatrie. C'est logique. Le gars, il est à terre, il crache sur des millions. Il fait le gars qui va faire des dons à des associations, mais frérot, t'es à terre. Depuis quand tu fais des dons, toi? Tu payes même pas. On vient m'acheter ces fringues, par contre. Les fringues de la piraterie, ils ont l'air d'être pas mal. Donc, alors, bien sûr, hein, c'est normal, tu payes ci, tu payes ça, tu vas pas faire gratos, non plus. Moi, je peux comprendre qu'il veut gagner des thunes. Et puis moi, je peux comprendre aussi qu'il veut gagner des thunes. Il se prend des patates. Et s'il perd, bah, c'est normal qu'il veut gagner des thunes aussi. Tu veux pas te ramasser les patates et te faire ridiculiser, que ce soit l'un ou l'autre. Mais l'autre, il préfère se faire ridiculiser sans avoir gagné d'argent, Orof. Et Booba, lui, préfère avoir de l'argent. Mais en tout cas, dans les deux, alors il y en a un qui se lance la balle, toi t'es ruiné, l'autre, toi t'es ruiné, ouais, toi t'es ruiné, toi t'es ruiné. En fin de compte, il y en a un qui pèse sa fortune 58 millions d'euros. C'est quand même ce qui a été dit dans le reportage que je vous ai fait, la vidéo sur ça. Donc ça a quand même été dit. Tout le monde ne raconte pas non plus. C'est une estimation, bien sûr. Alors je pense pas que les personnes se trompent de zéro à quand même 58 millions quand même. Donc, et puis s'il n'y aurait plus rien, ne vous inquiétez pas que ça tournerait quand même. Donc, et puis quand même, quand il fait montrer les trucs de ses disques, quand même les streamings et tout ça, des millions et tout ça, hein, sa marque de vêtements, sa marque et tout ça, quand même, il y a des limites. Que bah, c'est vrai que Rof, on n'entend pas parler de sa marque, on n'entend pas parler. Et après, ça peut être une personne qui est discrète aussi, hein, qui étale pas son argent. Mais on sait bien.
qu'il y a quand même eu des rumeurs qu'il avait du mal à payer sa pension et tout ça avec une certaine personne. De toute façon, j'ai une vidéo à vous faire aussi sur ça. Vous savez, sur l'article qu'il a fait, ce qui s'est passé en 2000 et des bananes, je vous lirai l'article et puis on en parlera ça de la violence. Et de la violence de Roff, hein, voilà, parce que Roff est violent et il violente ses femmes. Donc, s'attaquer aux hommes, ça, il n'y a pas de souci, mais aux femmes, non, il y a des limites. Donc, bon, bah voilà, je vais vous mettre maintenant une dernière petite vidéo que je vais vous mettre. Je vais vous mettre Marc Blatta, parce que je ne veux pas vous faire une vidéo spéciale Marc Blatta, je vais vous la mettre dedans. Allez, je vous fais écouter Marc Blatta maintenant. Et comme ça, allez, parti. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pris la voiture familiale là, Cadillac Escalade. Hey, les baffes dans les appuie-têtes, incroyable. À chaque fois que je prends cette voiture, je vous dis à chaque fois la même chose. C'est vraiment bon, c'est un jeu de PlayStation. Et bien, il fait toujours de la pub. Mais lui. Les baffes, Toujours de etc. la C'est pub, on a vraiment la l'impression. folie. La famille, ouais, commencez pas à me dire pourquoi il n'a pas parlé de la bagasse. C'est bon, frérot. Et on parle des gens, frérot, pour qu'ils vendent des places de concert. Et on a compris, vas-y. Voilà. Non, s'ils veulent se battre, ils vont se battre. S'ils veulent vraiment se battre. Voilà, mais je pense que c'est un secret pour personne. Je vais faire un sondage là d'après vous. Ils ont du mal, moi, ce hein. que je pense, c'est que c'est des mythos. Les deux, hein. Les deux, c'est du mytho. Rof, il veut vraiment le taper. Et Booba, il s'en fout. Il croise Rof. Bon, bah, il va peut-être se faire gonfler. Ou il va se taper comme un Rolly avec Caris. Mais lui, il est là pour le bif. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Il a entièrement raison quand il dit, ouais, frère, oui, je vais m'entraîner pendant 4-5 mois avec un coach. Je le paye, la diète, mes enfants, t'as capté. Et frérot, je vais pas mettre ma vie de côté pour 0€, ça se comprend à 1 milliard de pourcents. Bah voilà, moi je suis d'accord aussi, pour une fois je suis d'accord largement avec lui. Aussi quand il dit, entre guillemets, bah vas-y, bah si t'es vraiment sûr de toi que tu vas me boire, parce qu'il dit ouais, t'as peur de la jambe de coq, je sais pas quoi, ça se comprend aussi quand il dit ça, qu'ils disent ah bah si t'es sûr de toi, viens on fait qui te double. Celui qui gagne, il gagne tout, celui qui perd, il perd tout. Parce que je veux dire, donc. Ouais, les deux, c'est vrai que les deux sont bons aussi. Les deux, hein. frère, ils se jettent la balle sur des arguments infondés, ouais, l'autre, ouais, truc. On a bien vu que ça veut esquiver des deux côtés, je crois que c'est une bagarre d'internet. C'est Roff, Booba, il a peur de tout perdre. Ça c'est une bagarre d'internet. C'est un truc de. Voilà. Après, il faut les comprendre, ils ont un certain âge aussi. Tu vois, ils se disent, ah, on n'a plus l'âge de se bagarrer, ce qui serait très intelligent de leur part. Ouais, mais bah si alors pourquoi groupe, avoir joué comme ça avec voilà, les gens bon, l'autre, il a exagéré, il a parlé de 50 millions. Bon, s'il y a déjà 1 million à faire, déjà s'il y en a un lourd, tu prends un lourd pour une bagarre, déjà c'est sublime. Donc bah on verra bien. De toute façon, on verra bien si il va avoir bien lieu. De toute façon, Booba, il a envie de faire un combat. Il a envie d'avoir du fric. On le voit. Il a envie d'argent. Il a envie d'argent. Il a envie d'argent. De toute façon, tous ceux qui ont de l'argent, plus ils en ont, plus ils en veulent. Regardez les influenceurs. Les influenceurs, plus ils en ont, plus ils en veulent. Alors, que Rof, bah, lui, on sait pas, lui, on sait pas s'il en veut, on sait pas ce qu'il veut, lui, il veut taper, ça, c'est sûr, qui veut taper, hein, il a toujours voulu depuis des années qu'il veut, de toute façon, quand on regarde bien le schéma, il veut taper tout le monde qui n'aime pas Rof. Comme je vous dis, moi, je l'ai connu quand j'étais jeune avec une de ses chansons, parce que moi, j'ai toujours écouté du Rof, je vous ai dit déjà depuis un bon moment, que je vous ai dit que j'écoutais du Rof quand j'étais jeune et je préférais les musiques à Rof que les musiques à Booba, mais je ne suis pas du rap. Moi, j'ai jamais écouté de rap. Je suis plus, moi, des musiques vraiment les années 80. Je sais pas, mes chanteurs préférés, Bob Marley. Voilà, mais je suis pas dans le rap. Vous verrez chez moi, si vous viendrez chez moi, vous verrez qu'il n'y a pas de rap chez moi. Donc, on va pas dire que je suis plus Booba, que je suis fan de Booba ou que je suis fan de Rof. Je suis fan de ni l'un ni l'autre. Je fais juste mon boulot et je relaye selon ce que j'ai. Donc, pour l'instant, on voit que les deux côtés se refusent un coup, c'est ça. Mais depuis le début, la seule personne qui refuse le plus, c'est Rof. Parce qu'il ne veut pas donner d'argent. Donc, c'est quand même lui qui refuse depuis tous les compromis. Parce que Booba, lui, s'il aurait accepté avec l'argent, ah, ça serait longtemps que ça serait fait. Mais c'est quand même qu'à refuser l'argent. Donc, il faut arrêter. Il y en a un qui veut l'argent, il y en a un qui ne veut pas. Il y en a un qui a l'argent peut-être pour se payer son entraîneur ou quoi que ce soit. Il y en a un qui veut pas débourser ses sous pour payer son entraîneur.
Je vais vous mettre une dernière petite vidéo. Je crois que je vous ai mis tous les tweets que j'avais à... Ouais, je crois que je vous ai... Ouais, je vous les ai tous mis. Ouais, tous. Donc, je vais vous mettre la dernière... Allez, allez, vite, 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 vite. Hein. C'est... Non, c'est l'avant-dernière. Là, je vous mets... vous savez, comme il disait Gims, que Gims n'aime Booba, oui, rien, qu'il a jamais écouté, qu'il a jamais ici. Écoutez, vous allez voir. C'est parti. C'est pas un mec qui m'a impressionné, tu m'as pas marqué, tu m'as pas transcendé. Bien. Tu m'as pas marqué, tu m'as pas transcendé. What? Moi, Booba, c'est quelqu'un que j'ai écouté. J'ai 27 ans, je pense qu'il doit avoir 10 ans plus que moi. C'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin. J'étais au collège, au lycée. J'ai toujours écouté, donc c'était nos stars à nous. C'était nos stars à nous. Et on n'a pas inventé des histoires. C'est toi qui m'as invité. Hein. C'est dans ton album, à toi. Donc c'est ton son à toi que tu as voulu me faire. Tu m'as... Quoi? Quoi? Moi, je suis allé vers lui. Parce que pour moi, c'était normal, c'était logique. C'est lui qui propose. C'était logique que j'aille vers lui. C'était pas lui de venir vers moi, me demander quelque chose. Je suis allé vers lui et je lui ai proposé directement cette collaboration. C'est pas un mec qui m'a impressionné. Tu m'as pas marqué, tu m'as pas transcendé. Tu m'as pas marqué, tu m'as pas transcendé. C'est toi qui m'as invité, mais c'est pas moi qui t'ai invité. Oui, bah ouais, c'était Nourstar avant, il a 10 ans, c'est vrai, c'était tout, après, oui, bah c'était normal que ce soit moi qui demande, qui propose, c'est nos co-stars et tout ça, vous voyez, c'est quand même marrant, parce qu'à chaque fois, il y en a, il dit ci, il dit ça, et en fin de compte, ils ont dit autrement dans la pub, dans les médias. Alors là, des fois, que ce soit influenceur, que ce soit chanteur, que ce soit artiste, que ce soit ci, que ce soit ça, faites attention à ce que vous dites. Faites attention, vous ne faites pas de soirée arrosée ou vous ne mettez pas tout dans le truc ça. Faites attention. Parce que même vous, ce que vous dites, vous soutenez que si, que ça, non, non, non. Et puis en fin de compte, bah, y a toujours... On dit, mais Internet garde tout. Internet garde tout. Donc à chaque fois, il y a des petites pépites qui arrivent à ressortir ça. Et je vous mets là vraiment la dernière vidéo. La dernière de chez Derne, là. Parce que je vous mettrai pas... Elle est vraiment la petite petite. Hein. Je vous mettrai pas celle où qu'il insulte la mère à Rof, parce que je trouve ça inadmissible. Je trouve ça ridicule. Franchement, pour un... En plus, il a sa fille. Il a sa fille avec, en train de chanter, en disant ces mots-là. Nikta, Nina, nanana, la mère là. Non, franchement, Booba, là, t'as dans la colle. Là, tu as dans la colle. Parce que franchement, on n'attaque pas les mères. Tu t'arrives quoi, là? Tu vas avoir le combat, peut-être, avec les sous, tu vas peut-être l'avoir, mais n'insulte pas les mères. N'insulte pas les mères, tu l'as énervé encore plus là notre off. Notre off est énervé, il va te la saigner la tête, alors mince Booba, à chaque fois tu tends le bâton pour te faire battre, à chaque fois, je le dis à chaque fois dans la vidéo, tu te tends le bâton pour te faire battre, alors Booba. Qu'est-ce qui t'arrive là d'insulter les mères? C'est pas beau ça. Allez, je vous mets la dernière petite... T'as liké? Liké, liké. Je vous mets la dernière petite vidéo de Booba. Parti. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Mais oui, c'est clair. Je pense que c'est clair. Eh ben, c'est très clair. Eh ben, on va s'arrêter là, nous. Tu penses que c'est clair? Eh ben, moi aussi. Eh ben, on va s'arrêter là. Alors... Vous avez passé un bon petit moment? Bon, bah, j'espère. Comme moi, à chaque fois, je passe des bons moments. J'aime bien être avec vous. Et franchement, de plus en plus, je suis en train de me dire vivement les 1000 abonnés pour faire des lives. Parce que j'ai vraiment... Je commence à avoir envie
d'interagir directement avec vous. Parce que vous voyez, quand j'ai envie de vous parler, bah là, ça serait bien que quand je vous dis un truc, bah au moins, vous me répondez en commentaire et tout ça. Et franchement, j'espère vraiment avoir vite les 1000 abonnés. Parce que ouais, je commence à avoir vraiment... c'est pas en question de pouvoir avoir les 1000 au plus vite. Hein. Je vous dis, je les voulais pour mon anniversaire. C'était un challenge que je m'étais donné avec vous. Bon, ça l'a pas fait. Je vais même pas atteindre les 700 pour mon anniversaire vendredi. Donc bah les gens sont pas gentils, hein. Ils offrent pas. C'était un petit cadeau que je demandais de leur part pour mon projet. C'était d'avoir un abonnement, des likes et tout ça. Pour bon, c'est pas grave, hein. On y arrivera. Mais là, c'est vrai que je suis en train de me dire que j'avais envie de vous parler tout à l'heure, et même il y a des petits sujets là, des voix, je voudrais bien débattre sur des choses. Il y a un sujet qui me taraude la tête, mais je peux pas en faisant une vidéo, parce que je voudrais interagir directement avec vous. Donc c'est pour ça que vraiment, parce qu'il y a des petits débats là des fois que j'aimerais bien avoir à débattre avec vous, surtout sur le déni de grossesse, parce que je me suis pris la tête il y a je sais plus 2 semaines, un mois, je me suis pris la tête avec... Bon, nous, on se prend la tête, on se crie dessus avec mon petit neveu, mais ça, après, voilà, on parle comme ça. Nous, dès qu'il y a un truc sujet qui nous tient à cœur et qu'on sait et que c'est vrai et que la personne en face nous dit que non, que c'est pas vrai et tout ça, c'est pour le déni de grossesse. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Parce que faire une vidéo sur le déni de grossesse et puis en débattre, hein, quand on pourra débattre, parce que là je peux faire des lives, mais le problème je vais pouvoir avoir que 80 personnes sur la chaîne, et moi ça m'intéresse pas de faire des petits lives et avoir que 80 personnes. Je préfère pas en avoir des tonnes, mais je préfère quand même avoir une partie de ma communauté qui aime bien regarder les vidéos et qui aime bien interagir avec moi en commentaire, qui soit là. Donc s'il y en a 80, imaginez qu'il y a 80 personnes, 80, 100 personnes qui apprécient vraiment ce que je fais là, qui sont abonnés à moi, parce que les autres, je sais pas, parce que les autres likent pas et tout ça. Bon, il y en a qui aiment bien rester dans l'ombre, mais c'est pas pour ça qu'ils apprécient pas les vidéos, donc je pense à eux aussi. Donc il y aurait des lives, bon, peut-être que là, ça leur donnera envie d'interagir et tout ça. Donc tout ça, ça me trotte de plus en plus. Je vous ai dit que j'allais mettre le temps que j'allais avoir les 1000 abonnés, j'allais avoir le temps de me préparer à ça. Donc vous avez vu, donc c'est pour ça que, par contre, si vous là, vous mettez, on arrive à avoir les 1000 abonnés, les 1000 abonnés pour le vendredi, là ça serait trop rapide, mais comme je vous l'ai promis, il faudrait que je le fasse, mais ça serait quand même trop rapide pour moi, hein, parce que là je commence à vouloir, mais quasiment. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous aurez quand même supporté de regarder la vidéo entièrement. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas passer 3 quarts d'heure, mais je peux comprendre. Mais là, des fois, quand on fait le ménage, un coup dans le casque, allez, hop. Hein, là, des fois, si, moi, c'est ce que je fais. Moi, j'aime bien faire mon ménage avec des youtubeurs, des blogueurs et tout ça. J'aime bien, moi, par contre, j'aime bien regarder des youtubeurs qui font des vidéos de plus de 30 minutes. Je préfère, surtout quand je fais mon ménage, parce qu'à chaque fois, faut revenir pour changer. Et c'est chiant. Et puis voilà, puis je sais pas, moi, j'arrive pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Faut toujours que, au début ou à la fin, faut que je vous parle un petit peu en intimiste, toujours, je sais pas. Bon, voilà, on va s'arrêter un petit peu, c'est déjà 3 quarts d'heure, ah là là là. Bon, allez, moi sur ce, on va se faire plein de gros bisous. Mais avant, toi qui es toujours pas abonné, qu'est-ce qu'on fait, hein, avant de partir? Eh ben, on s'abonne, mais bon, je pense que jusque-là, qui regarde encore mes vidéos, je pense que ça doit être que des habitués, que ceux qui sont abonnés. Donc là, des fois, je pense que je me casse la tête à demander des abonnés, mais bon, ils sont déjà partis. Mais par contre, pour les likes, ça, je sais qu'il y en a là, des fois qui regardent les vidéos en disant non, mais qui ne sont pas toujours pas likés. Alors likez. Et puis bien sûr, petit commentaire, vous me dites ce que vous pensez et tout ça dans le commentaire sur toutes les vidéos. Hein, dites-moi pour la bagarre, ce que vous pensez qu'elle va y avoir lieu sans m'agresser, hein. Parce que soit que j'aurais défendu plus Rof, soit que j'aurais défendu plus Booba, hein. Moi, je m'en fous, le plus ou le moins, moi, je m'en bats les ding. Hein, moi, il se bat pas. Mais bon, ça fait des années. Je voudrais bien qu'on puisse... Enfin, qu'ils tiennent leurs paroles. Voilà. Donc,
allez, commentaire, et puis bien sûr, petite cloche, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que j'ai une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube, voilà. Et bien sûr, ça, je vais vous faire d'énormes bisous, puis je vais vous dire à très, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bisous, ciao, ciao, bisous, bisous. Et merci, merci, merci pour tout le monde, merci aux nouveaux abonnés aussi, j'ai oublié de dire merci, merci aux nouveaux abonnés, merci de faire partie de la team et de me faire confiance. J'espère que vous n'allez pas partir aussi vite que vous êtes arrivés. Allez, gros bisous, ciao, ciao, bisous.